Yo les gens, c'est Lord Fab, quel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur World of the Vision. Vous le savez, je suis un fan inconditionnel du grand méchant de Final Fantasy VII depuis mes premières amours d'adolescent. Et le lore du jeu, Sephiroth, fait partie des personnages les plus badass. Et c'est celui que je préfère. D'ailleurs, si vous me connaissez, vous avez vu que mon logo, le logo de la chaîne, c'est un Sephiroth dans un cristal. Donc forcément, vous savez que je suis un énorme fan de ce personnage qui est vraiment juste trop fort à chaque fois dans tous les jeux dans lesquels il sort. Voilà. Alors, effectivement, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est Lord Fab. Nouvelle vidéo sur World of the Vision et on parle de Sephiroth et de la sortie globale très très bientôt. Yo les gens, alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, oui, Sephiroth sort sur la globale très très bientôt. Il y a quelques heures est sorti un leak, une annonce développeur sur la japonaise, sur une vidéo, et dans laquelle on nous explique que notre ami Sephiroth va sortir sur la japonaise. Et là, vous allez me dire, oui, mais Lord Fab, sur la japonaise, c'est pas pareil, etc. Oui, sauf que c'est une sortie internationale. Et c'est comme pour Ryu et Little Lila, ça sortira beaucoup, beaucoup plus proche pour un événement spécial que je vais vous citer. Et cet événement va être complètement fou. C'est un événement spécial international. Et du coup, le Sephiroth va sortir. Alors, Sephiroth, ses caractéristiques, unité UR de type ténèbres, ça va être un slasher, un classique, très très axé sur l'agilité, gros déplacement, et aussi forcément gros multiplicateur, un bon gros bourrin quoi. Donc le mec, il arrive, il va faire mal, des attaques de zone, des breaks, bref, on connaît Sephiroth. On sait que ça va envoyer du lourd. Et il va avoir un petit côté assassin aussi, donc avec de l'esquive. Il va aller merveilleusement bien avec une 2B, je pense, dans une équipe vraiment très très bien. Donc autant vous dire que là, dans le mois qui vient, ça va être la folie. Et du coup, bah, quand c'est que ça sort? Eh bah, je vais vous le dire les amis, ça sort de façon exclusive pour l'événement du 1er avril. Donc oui, ça sort le 1er avril. Donc je suis vraiment désolé si je vous ai... summon sur cette vidéo parce que c'est un 1er avril et non, je suis désolé, Sephiroth ne sortira pas. Alors ne m'en veuillez pas, chers amis, pour cette tentative de 1er avril un peu indélicate qui a joué sur votre fibre sentimentale de fanboy comme la mienne, parce que j'aurais vu une vidéo m'annonçant qu'un Sephiroth, j'aurais fait comme vous, j'aurais cliqué, donc je suis vraiment désolé. Sachez que je vous aime et je peux vous dire une chose. C'est que le jour où Sephiroth va réellement sortir, mon compte en banque et mon PEL va y passer. Mais malheureusement, c'est pas pour tout de suite et c'est après d'arriver. Parce qu'effectivement, ils gardent ce genre de personnage pour des gros, gros, gros moments dans le jeu. Des grosses annonces, des montées d'étoiles, des nouveaux jobs. Ils auraient pu le faire pour le job EX par exemple, mais ça semblait un peu tôt quand même. Donc non, Sephiroth ne sortira pas. Je suis vraiment désolé. Veuillez me pardonner. Mais... si vous suivez World of the Vision, vous êtes plein à suivre la chaîne sans vous abonner. Abonnez-vous les gars et mettez un petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez cru à cette farce. Parce qu'il y en a, à mon avis, qui ont cru ça jusqu'à la fin. Et il y en a bah, qui ont capté le truc directement, quoi. Et puis, si vous regardez la vidéo après le 1er avril, eh bah, tant pis pour vous, c'était un 1er avril. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. C'était Lord Fab. Salut, salut. Ciao, ciao.